pense qu'on avait une belle complémentarité entre les trois panélistes. D'avoir des jeunes sur un conseil d'administration, c'est aussi, ça nécessite un changement de culture ou ça amène un changement de culture, ça amène une dynamique qui est différente. Fait que je dirais que c'est peut-être le premier élément. Un autre que j'ai constaté aussi dans mes différentes expériences, c'est des fois les jeunes ont moins d'expérience justement. Donc, ils remettent davantage en question les pratiques, les manières de faire. Fait qu'ils poussent l'organisation à aller plus loin et à constamment se justifier ou se perfectionner, si on veut. Ce qui m'a le plus interpellé, c'est... l'implication qu'on devrait avoir, mais pas seulement pour se faire de l'expérience, mais surtout pour travailler dans le sens de l'organisation qu'on intègre. Qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, et surtout sur les questions qui nous rejoignent le plus, dans le but d'apporter davantage nos idées pour la bonne marche de l'organisation? Moi, je pense qu'il faut retenir qu'il y a une volonté réelle. Sous-estimons pas que les gens, les membres des conseils d'administration, sans égard à leur âge, souhaitent cette diversité. Jeunes, des gens avec des expériences différentes, des gens qui arrivent de d'autres régions pour amener des idées nouvelles, ils le veulent. Le cœur, des fois, c'est un peu plus difficile de laisser notre place pour permettre cette réelle diversité. Et là, il faut, c'est ça qu'on se disait ce soir, il y a des programmes de plus en plus présents qui sont mis en place pour aider un peu à faire en sorte que cette diversité arrive réellement. Puis je suis persuadé avec les programmes de formation comme celui qui est traité puis qui a été supporté par le réseau des jeunes chambres de commerce, je suis persuadé que la diversité va s'accélérer au cours des prochaines années maintenant que toutes les conditions sont bien réunies. Personnellement, je côtoie aucune personne, du moins du monde de l'ingénierie, qui sont sur des comités administratifs, que ce soit pour leur entreprise en génie ou plus appliqué. Ça serait peut-être une bonne chose, en effet, qu'il y en ait plus, je crois. On peut apporter... on est souvent vu les ingénieurs comme plus cartésiens et on voit les choses droites, pas de risques, pas trop des idées folles et tout, mais je pense que je vous montre bien qu'il y a certains cas d'exception, donc ça pourrait être bénéfique. On a une bonne, c'est sûr qu'on a une structure d'idées qui est beaucoup plus définie, probable, qu'un gestionnaire d'entreprise avec de l'expérience, mais je crois que ça pourrait le faire. Souvent, il ne faut pas perdre de vue que le rôle d'un administrateur, c'est un rôle d'importance. Il y a des responsabilités et le séminaire qui est offert dans le cadre que le regroupement offre avec le Collège des administrateurs, ça permet aux jeunes d'avoir le coffre à outils nécessaire pour bien remplir leurs tâches et responsabilités. Donc, pour avoir accompagné des cohortés de l'EFEA, j'ai vu l'importance de cette formation-là. Ça m'a même donné le goût de faire ma certification, ma longue certification avec le collège.